Yo les potes, on se retrouve où est-ce qu'on s'avait quitté? Du coup, on est reparti. Allez. Tu sais, peut-être que Tyr nous mettra à l'abri. On aurait dit qu'Odin ne voulait vraiment pas qu'on le trouve. Une fois Tyr libre et redevenu dieu de la guerre, Odin n'aura plus le temps de se soucier de nous. S'il désire nous laisser guerre, il l'amènera. D'accord, alors faut trouver les trois trucs comme tout à l'heure. On aurait besoin d'équipement spécial pour utiliser ça. Ah mais il y a toujours besoin d'équipement spécial pour tout aussi. Comment on fait quoi? Désamorcée, mais oui. Elle appartient sans doute à Bari le Nain, bâtisseur de la grande halle Lyr. Ah, par là, je crois. Ouh, une grosse bête par terre. Wow, c'est un Dreki? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais attention. Enfin, attention. Je crois qu'il est mort. Tu crois? Oui, complètement mort. Je suis pas sûr. Hé, hey, je me demande si... Hé, hey, attention! Il y en a un autre. Que? Attention! J'aime bien. Ensemble. Ah, ça c'est bon. C'était coriace. Sois sur tes gardes. Il peut y avoir un petit truc récupéré. Amélioration d'armes. C'est Dreki qui aurait tué le premier qu'on a. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'améliore pas grand-chose. 5, 28 euros. Je les attends. Non, on va y en mettre. Ça m'énerve aussi. Du coup. Accessoire de hache. Pour mon beau. Merde. Je les attends au niveau 2.
Ça, c'est les accessoires. La série des chuteuses. J'ai un petit peu de bouclier. Accessoire de bouclier. Ok. Si c'est le cas, leur accessoire aurait causé leur perte à tous les deux. Du coup, il y a quoi ça? D'où on arrive, hein? Donc, on arrive de Perlin. On y va. En bas, j'aperçois une mine. C'est sûrement celle dont Durlin parlait. Il y a des rails là-haut, sur la gauche. Trouvons peut-être un autre wagon. Père, ici la guerre contre Odin n'était pas que celle de Tyr. Si c'était la nôtre aussi. La guerre n'est pas la seule solution. Nous sommes des dieux, de meilleurs dieux. On essaie d'empêcher le Ragnarok, d'aider les gens. Et si la seule solution était la guerre? Atreus. Il y a un coffre. Il y a un truc à lire, il y a un truc à récupérer ici. Forge droit devant. Eh bien alors, c'est droit devant. Non, mais c'est pas là qu'on doit aller aussi. On va se fermer. Par où passe que nous? Bloqué là. Attends, il est pas seul. Les calamités sortent toutes de ce pilier. C'est sûrement leur nid. Peut-être qu'elles arrêteront si tu détruis leur nid. Sur ta droite! Oh, c'est tout petit. Très bien, nous devons aller à gauche. Non, ma gauche à moi. Sérieux? Continue.
On est tout près. Juste un peu plus à gauche. C'est beaucoup trop loin. Mimir, dis-lui à gauche. C'est ma gueule, lui, quoi. On est tout près. Juste un peu plus à gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Monter dans le wagon pour aller jusqu'aux mines. Allez, c'est parti. Ah, c'est un loup. Le petit Kraken t'a donné une pierre. Le Kraken ? Oh, Dina. Oui, elle est couverte d'algues. Je pensais qu'on pourrait la montrer à Brock et Sindri à notre retour. Tiens. Bon, si on est venu ici chercher Tyr, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à Odin. En y réfléchissant bien, une guerre pourrait... C'est quoi ça ? Oh non ! Je viens de faire un gros coup, c'est bon. Sur ta gauche ! À droite ! À ton signal ! Atreus, cherche le frein et arrête ce lagon. Il doit y avoir un levier quelque part. Trouvez ! Le frein est coincé ! Il sait encore ce qu'il fait. Arrête ce wagon! Je crois que ça va! Non! Oh merde! Merde! La tête. Le divorce. Vu qu'on en est arrivé sur la mine, je pense qu'ici il y a pas mal de trucs à faire. C'est une blague! De toute beauté! Qu'est-ce qu'il y a de près? Oh, la belle esquive. Cet endroit est grimpé. Viens,
par là qu'on doit aller. Alors petit, tu t'es laissé un peu aller tout à l'heure. Ce n'était qu'un mot. Brock a déjà fait bien pire. Le mot importe peu. Tu as perdu le contrôle. Mais on tombait. Et de haut. J'ai cru qu'on allait mourir. Veux-tu que ce mot soit ta dernière parole? Non. Face au danger, la panique ne sert à rien. Contrôle-la et utilise-la. Ça c'est bon maintenant. Regardez par terre, des rails. Ils doivent mener à l'intérieur de la mine. On doit contourner cette caisse. Comment faire pour passer ici? La grue qui maintient cette caisse en hauteur. Je l'ai, le canal de bois avec la fenêtre. Ah d'accord, comme au début quoi. Mon frère, tu pourrais geler l'eau pour arrêter l'écoulement? C'est comment ça, ça. Comme l'impression que ça n'a pas fonctionné. Codex. Connaissance. Esther, leçon. Arme. Affilée d'attente. Maintenez X pour charger la rage de Gilles. Attends. Comment c'est pour... Oh, c'est en dessous, ça me sert à rien. Comment c'est pour... Codex. Non, connaissance. Non, Bessia, non, leçon. Environnement.
Compagnon, arme. L'argent maintenant L2 pour venir appuyer sur A, R2 pour se laver. Attends. Je crois que tu as arrêté l'écoulement de l'eau dans cette ruche. C'est bon, plus qu'à traverser. Ok. Ça y en a trois à faire. Il doit y en avoir deux autres dans les barrages. Cherchons-les, d'accord? J'arrive de par là. Allez, allez, bon. Je devrais pouvoir monter si tu m'aides. Tu veux que je t'aide comment? De toute façon, tous les cas, c'est par là. Est-ce que là, il y a c'est la roue sur ta droite, mon frère. C'est encore un truc tout bidon. Quelle heure en plus là? Ah. Quelle heure j'ai réussi en plus? Je sais même plus tard comment j'ai fait ça. En fait, c'est l'heure. Ah, c'est bien. Tout ce qui me casse les couilles en fait. Bon, faut que je congèle ce. Tiens.
Et où l'autre con? Le choix du terme coopérative doit être ironique, non? C'est con parce que je l'ai trop bien trouvé en fait. Je sais plus ce qu'il y a. J'en ai un, il est là-bas. Il manque le troisième qui est là. Ça, j'ai hyper long en fait. Ça, c'est cool ça. Parfait. Je vais aller regarder de l'autre côté. Père, il y a une porte là-haut qui s'ouvre en direction de l'entrée de la mine. Si tu arrives à monter, j'aurai besoin de ton aide pour la soulever. Si. Oh, un petit effort. Tu peux faire ce saut. Tes genoux sont pas si vieux. Atreus. Tu y étais presque. Recommence. Une de ces auges en bois. Je me demande où les nains vont chercher tout ça. Ah, c'est certainement dû à leur grand sens pratique. Pourquoi faire l'effort quand on peut laisser faire la nature? J'espère que Tyr est ici. Atreus, on cherche des informations. Je sais. Arrête de croire que je veux déclencher une guerre. Pourtant, tu ne dis pas le contraire. Mes frères, peut-être devrait-on laisser cela de côté. Du coup, je vais faire quoi? Alors, je l'ai ça, mais je sais pas comment. Je suis sûr à chaque fois.
chaque fois je galère, ça. C'est bizarre parce que tu me dis pas ce qu'il faut faire en fait. En fait, à chaque fois, t'as juste un chat. Je crois que c'est l'entrée de la mine de Durlin. J'ai autre chose pour vous. Sindri ! De quoi parles-tu ? Puisqu'il vous manque une source de lumière, désolé, et que vous ne voyez pas quelle abomination rôde dans les ténèbres, ceci devrait vous aider. Reprenez votre exploration. Du balai. Merci, Sindri. Attends, que veux-tu dire par abomination ? J'essaie de rentrer un peu plus dans le jeu parce que... Me grue se dirige vers nous. Ah, là-bas. Maintenant. Peut-être voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. Essayons d'entrer par cette grotte. Je sais pas ce que j'étais en train de faire là-bas. Ah, il y a encore eux. Derrière toi, attention.
D'où est-ce qu'ils sortent ? L'odeur confirme que nous entrons bien dans une mine. Je crois que j'entends l'eau s'écouler. Ralentis, Atreus. Sois prudent. Tiens-toi prêt. Bon, je crois que j'ai trouvé 12 mètres pour la vitesse. Ils vont te déborder. Ne t'éloigne pas. Derrière-toi, mon frère. L'odeur de ces choses est vraiment répugnante. Peut-être prix à payer pour le changement. Ne restons pas là. Alors du coup, moi c'est bien par là. Petit bateau. Petit bateau. Désolé, tu m'as dit d'oublier ça, mais j'arrête pas d'y penser. On a passé tout notre temps à combattre ces choses. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aux côtés de Tyr. On ne le connaît pas. On a vu ces fresques. C'est un chef. Il s'est opposé seul à Odin. S'il l'a déjà fait, pourquoi il ne recommencerait pas? Des images de temps lointain ne disent pas toute l'histoire. Il y a une porte. Dès que nous serons descendus, nous irons voir si elle peut nous mener à Tyr. Ces derniers temps, j'ai comme la sensation que tu m'en veux. Depuis qu'on mais est non, arrivé à Svartalfheim, je suis en train de galérer un peu, marche. Si tu ne me crois pas capable de nous diriger, dis-le. Ce n'est pas ta compétence. Putain, fais confiance en toi. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pense à tes intentions. En tout cas, les décors sont région découverte. Le tronc, le trône. C'est immense. Ok. La construction a dû prendre une éternité. On fait ça dans la partie là-haut, la forge.
Mine de Jarminda, le trône. Ok. Encore une porte. On devra s'en occuper aussi. Les instructions de Durlin ne disent pas laquelle. Non, rien qui puisse nous aider. Ce que tu as dit tout à l'heure, sur mes intentions. Je veux aider le dieu de la guerre à arrêter Odin. Et pour ça, il faut d'abord le libérer de la prison où il est retenu. Accrochez-vous, mes amis. Sindri ? Oh. Faites attention en sortant, un pied après l'autre. Il y a des clous rouillés absolument partout. Penses-tu que Tyr soit ici ? Comme si j'allais m'aventurer dans ce labyrinthe d'égouts malodorants. Non, vous vous débrouillerez très bien tout seul. L'eau me paraît pourtant assez limpide par ici. Justement, paraît. L'âme du chaos. Voilà. Le feu est en fait un désinfectant. Elles sont donc très hygiéniques. Nickel. Je vais désinfecter mes outils. Protection des torches, protection des avant-bras. Plastron, cuirasse et polière. Hé ! Qu'est-il arrivé aux armures que nous t'avons fabriquées ? Elles sont usées. Bien. Peut-être prendras-tu meilleur soin de celles-ci ? J'en doute. Si, je sais pas. On va améliorer ça. Ah, c'est peut-être la plus belle pièce du jour. C'est très bien. Merci. Et cette fois, ne va pas me l'éclabousser, hein. Kratos ? Ça, c'est équipé. C'est bon. Vendre, j'aime pas trop vendre. Sois prudent. Travail accompli. Regardez, il y a une porte de l'autre côté. Tirez peut-être derrière. Celui qui a écrit ça avait le souci du détail. Oui. Quelque chose retient l'eau. Du quoi ? Un truc là quand même, on doit les perdre. Ah. L'eau semble avoir repris son cours, mon frère. Et maintenant ? Je sais pas. T'as pas d'indice en fait, c'est ça qui est chiant en fait. Il doit y avoir un moyen de faire tourner la roue, non ? Oh ! L'eau déborde à l'endroit où tu as gelé cette auge. Ça peut être utile. Attends. Ça a marché. Voyons ce que cache cette porte. Ah,
ça c'est bon. Pour une fois, j'ai pas trop galéré. Tyr ? Petit, je doute fort que nous trouvions Tyr à l'intérieur. Mais il est forcément quelque part ici. La mine est immense. Atreus, tu parles comme si tu connaissais le plan d'Odin. Que comptes-tu l'empêcher de faire ? Je connais pas ce plan. Mes frères, entre Fimbulvetr qui a déjà commencé, Odin sera prêt à tout. Quoi qu'il ait prévu de faire, il sera certainement le seul à en bénéficier. Exactement. Content qu'on ait exploré. Cela nous éclaire-t-il ? Tu as vu ça là-bas ? Il y a une porte brisée en haut à gauche derrière cette grue. Tyr a peut-être tenté de fuir. Allons voir. C'est remarquable. Le débordement de l'eau actionne la grue. Allez. L'élévateur n'a pas l'air fonctionnel. Je parie que cette roue à aube alimente l'élévateur. Tâchons d'en faire quelque chose. De toute façon, on verra ça dans une prochaine vidéo, les amis. Il est l'heure d'arrêter. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao, ciao, les amis.